pavillon des chasseurs. Je lui fais honneur à son plan. Le roi Soleil est devenu trop indulgent. Sûrement la... C'est toi qui as déjoué le complot contre notre ville. Le soleil m'honore par ta venue. Tu es Nora. Je suis Naman l'éploré. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire ? En deuil. Tu chéris le tien comme un talisman. Ah, pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation ? Pour un proche perdu dans la fosse ? Non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karja ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Mais quel genre d'obstacle ? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois, sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cet Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines. Mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouk peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de deux hôtels et chasser un prêtre du troisième. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Naman, les rituels et les prières ne ramènent pas ceux qu'on a perdus. Non. Mais ils peuvent aider ceux qui portent leur deuil à se retrouver. Leur donnent la force et l'espoir, l'aube d'un jour nouveau. Je ne pensais pas qu'un prêtre demanderait de l'aide à des étrangers. Si le soleil pouvait se coucher sur notre fierté. Mais d'ici là, je ne suis plus un prêtre. Porter une tunique rouge, c'était un rêve. C'était ma mission. Nos cagoules nous rendent aveugles. Nous parlons de réconciliation, tout en oubliant que les anciens prêtres louaient les cantiques et les massacres. Les massacres ? Vous parlez des raids rouges ? Oui. Et des sacrifices qui ont suivi. Pourquoi les prêtres ont-ils laissé le sang se répandre ? Parfois, nous autres Karja tenons davantage à la tradition qu'à la justice. Les Karja et les Nora ne sont pas si différents. Les prêtres du soleil vous déçoivent, mais c'était votre vocation. Je passais mon temps à admirer le temple. La voix de mon frère résonnait entre ses arches. Même lui n'a pas pu me dissuader, il a tout fait pour, à la fin. Il disait, quand on nous aimait, nos tuniques portaient la couleur du cinabre. Elles portent désormais celle du sang. C'est-à-dire ? Eh bien, on nous transmet nos tuniques. La plupart des anciens ont fui pour éviter la lumière d'un nouveau soleil. Alors nous portons le poids de leurs péchés. En tout cas, pour moi, c'est bien lourd. Où se trouve votre frère ? Il doit m'attendre sur le sentier du soleil. Mon frère s'est élevé contre les sacrifices. Un prêtre qui remet en cause le roi soleil... Par son châtiment a été terrible. Vous avez perdu un proche aussi. Je suis désolée. Non. Non, pas perdu. En endossant cette tunique, j'ai trouvé son souvenir. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants.
dans les environs. Vous suivez. Je suis heureux d'avoir quitté la ville. Tu es meilleure chasseuse que moi. Je vais peindre tant que l'esprit des étincelles rôde. Ne t'inquiète pas, il en arrivera d'autres. Oui, il y aura toujours d'autres machines. Leur esprit trouvera de nouveaux corps, mais notre vie ne dure que le temps du souvenir. C'est pourquoi je dois peindre l'histoire. Un monument en hommage à nos chamans. À la sagesse que les Karja nous ont pris. L'huile de ma peinture la préservera. Elle garde leurs souvenirs et tout ce qu'on leur a arraché. Je te remercie, chasseuse. Thank you.
ici que Lutaru voulait faire ses adieux. J'ai bien tenu mon cuir, il tiendra. Quand on a pris la fuite à la libération, j'ai couru dans cette clairière, sûre que mon ami me suivait. J'ai continué. Mais pas elle, malheureusement. Merci de m'avoir permis de revenir ici. Sans vouloir te presser, le danger reviendra vite. Je comprends. J'ai déjà vécu ça dans mes rêves. Dans l'eau. Je trouverai le bracelet de graines tombé dans sa chute. Les graines seront là, ouvertes, sauvages. Elles s'échappent de mon esprit jusqu'à la jungle. Je lui dirai que c'est moi qui suis morte, que je ne suis plus qu'une étrangère chez nous, et qu'elle vit encore à chacune des semailles, des pluies, des récoltes et... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Là ! Son bracelet ! Je croyais qu'elle était derrière moi. Mais ce n'était que mon reflet. Tu veux rester seule ? Pour la première fois, je le suis. Une femme à la tête du pavillon des chasseurs. Je l'ai vu quatre fois. Une océra m'a posé. Peut-être l'hôtel des rois dont Naman m'a parlé. Tu ne pourras pas entrer. Ce vieux pruneau ridé ne te laissera pas faire. Je sais me montrer persuasive. Mais pourquoi un Océram voudrait approcher d'un hôtel Karja ? Il me rappelle quelqu'un. Parti depuis 2 ans.
mais qu'est-ce qu'une fille comme toi connaît du deuil ? Crois-moi. J'aimais quelqu'un. Ils construisaient des monuments pour leur roi bâtard. Et puis, il leur a fait un spectacle dans leur fosse pour finir en beauté. Les Karja m'ont rendu ses os brisés, mais... à quoi bon ? Ils ne construiront plus. Ils ne me feront plus sourire. Mais voir une statue du roi Soleil dément, oui ? Je veux retrouver son travail. Les marques gravées par ses mains. Tous ces métaux qu'il a forgés. C'est son âme, tout ça. Mais ce vieux prêtre fripé ne me laisse pas approcher. Je verrai ce que je peux faire. Du vent, petite. Jamin le soumis cherche la solitude dans sa retraite. Si tu veux être seul, va voir ailleurs. Des gens veulent prier ici. Des païens, tu veux dire ? Une nouvelle dégradation de ce qui jadis était pur. Vraiment, notre tribu a perdu la lumière. Le roi ne vaut rien, le temple est corrompu, et nos soldats faibles. Le soleil se presse d'aller cacher sa honte au couchant. Les Karja sont devenus impurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Meridian n'est-elle pas destinée à ceux qui l'ont fondée et enrichie ? Elle était pure avant que des étrangers impies ne l'envahissent. Tu veux dire qu'elle était pure quand les étrangers étaient en cage ou morts dans votre arène ? Le soleil est pur, petite. Nous n'avons pas à remettre sa divine volonté en cause. Nous devons juste l'accomplir. Et le couronnement d'Avad n'était pas la volonté du soleil. L'enfant a déshonoré son père. Son père et nous tous. Tu es un roi soleil. Toute l'ombre, le crépuscule qu'il a projeté sur nous. Et combien d'autres personnes le roi soleil démon aurait tué sans l'intervention d'Avad ? Le soleil réclamait du sang. Nous n'avions d'autre choix que d'obéir. Tu dis que le temple était corrompu. Mais tu n'es pas l'un de ces prêtres ? Ils se donnent le titre de prêtre du soleil, mais ils n'ont aucune autorité. Des enfants et des flagorneurs, c'est tout. Tandis que ceux qui ont passé leur vie au service du soleil sont méprisés et ignorés. Alors c'est seulement ça ? Un caprice ? Vous voulez qu'on vous regarde ? Tu ne connais rien de nos rites ! Et tu oses venir m'insulter ? Pourquoi tu dis que votre armée est faible ? Parce que vous n'êtes pas en guerre avec tout le monde ? Un trône Karja qui dépend de vulgaires mercenaires tirés de forges, c'est ridicule. Cette prétendue libération n'était rien d'autre qu'une purge. Nos plus grands guerriers, expulsés de la ville, exilés à Brunante et dans l'Ouest prohibé. Notre tribu est déchirée. Ceux qui avançaient dans la lumière sont aujourd'hui dans l'ombre. Et bizarrement, tout le monde s'en réjouit, sauf toi. Je t'ai assez écouté. Reste ou va-t'en, mais je ne te laisserai pas repousser les pèlerins. Je suis ici car le soleil le veut. Tu réfutes le trône, les prêtres, l'armée ou même la ville. Donc, tu ne parles au nom de personne. Je parle au nom du soleil. Alors implore-le. C'est le seul qui t'aidera. Le jugement viendra. Et tu t'enfuiras loin. Il leur a offert l'œuvre de toute sa vie. Et regarde-la. Ils l'ont défigurée à cause de ce qu'elle représente. Ils ont défiguré une œuvre pour laquelle des esclaves ont donné leur vie. Des esclaves déjà oubliés. Ils sont complètement aveugles, tous.
S'ils pensaient que leur soleil se couchait derrière ce pont, ils sauteraient. Merci de m'avoir entendu. Je te souhaite de trouver la paix. Ah, je ne saurais même pas quoi en faire. Ou pas plus que les Karja. La requête me manque toujours un peu, mais je commence à m'habituer à la vie ici. J'essaie de leur expliquer pourquoi leurs superstitions sont ridicules, ils se vexent. Je prête. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé. Bon produit, un très bon. Ce n'est que des produits indispensables. C'était bien. Aventuriers, de préférence sans amis ni famille. À vous de voir. Les Karpadis sont de nous. Vous êtes de retour au temple? En effet, on m'y a invité. Les prêtres ont demandé à m'entendre au sujet de la réconciliation avec les autres tribus. Ils écoutent. Enfin, ils commencent à écouter. La distance est longue entre les oreilles et les actes. Grâce à ce qu'on a fait? Grâce à toi. C'était pour les pèlerins. Je crois qu'ils vont mieux. C'est toi qui les as guidés sur la voie. Nul ne sait ce qu'il adviendra. C'est là le lot des prêtres. La tunique rouge t'irait bien. J'en doute. Et puis, votre temple n'accepte pas les femmes. Elle nous enrichirait pourtant. Avance dans la lumière. Laisse le soleil éclairer ton chemin. Merci, Naman. Là où je vais, j'aurai besoin de toute la lumière possible.